petits amis, nous voici réunis pour écouter des contes, car aujourd'hui c'est mercredi. Je suis venue aujourd'hui avec deux petites amies. Voilà mes deux petites amies. C'est Lily et Loulou. Vous allez sortir vos pouces, vous aussi, même s'il n'y a pas de petites amies dessus, où ils sont vos pouces? Ils sont là, il y en a un qui est dans la couche. Deux petites bonnes femmes s'en vont au champ pour cueillir des pommes, des poires, des châtaignes et des noix. Elles mettent tout dans un panier et les rapportent à la maison pour les manger. On recommence? Tes mains sont sorties? Allez, les pouces. Deux petites bonnes femmes s'en vont au champ y cueillir des pommes, des poires, des noix et des châtaignes. Elles mettent tout dans un panier et les rapportent à la maison pour les manger. Il était une fois une grand-mère. Il était une fois un grand-père. Et le grand-père et la grand-mère n'avaient plus rien à manger. Rien, rien, rien. Alors ils ont gardé dans les placards du haut, dans les placards du bas, rien. Alors la grand-mère a dit, écoute, tu te fais une canne à pêche avec un bâton, du fil, et puis une épingle, et tu vas pêcher. Alors grand-père, il a pris un bâton, du fil, une épingle, puis il est allé pêcher. Puis il pêchait à la rivière, il n'y avait rien. Il a pêché, et d'un seul coup, il a vu un poisson qui s'est pris dans l'épingle. Il a tiré un joli petit poisson d'argent. Alors le petit poisson lui a dit, « Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie, ne me tue pas, ne me tue pas. Ah, mais même si t'es pas gros, on va te manger. Non, non, ne me tue pas. Je suis une fée. » Une fée? Mais les fées, c'est pas des poissons. Si, 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 je suis une fée. Je t'en prie. Tu me remettras à l'eau. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? On voudrait à manger. Eh ben, rentre chez toi. Tu trouveras. Et plouf! Il a remis le petit poisson dans l'eau. Il est rentré chez lui. Quand il a ouvert la porte, il y avait un beau poulet rôti, il y avait des frites, de la salade. Gros gâteau. Jamais le grand-père et la grand-mère n'avaient eu autant de choses. Et ils ont mangé. Ils ont mangé pendant plusieurs jours, mais au bout des plusieurs jours, il n'y avait plus rien. Tu retournes à la rivière. Et puis, tu m'as bien dit que c'était une fée. Oui, c'est une fée. Eh bien, tu lui demanderas des beaux draps et puis du beau linge. Ben oui, mais regarde, on a une vieille table. Ben oui, ben tu lui demanderas une belle table et puis un beau lit. Ah, je sais pas. Allez, tu y vas. Et grand-père, il est reparti à la rivière. Et il a dit, petit poisson, où es-tu? Au fond de mon trou, que me veux-tu? Ben, tu sais, on s'est bien régalé, mais ma femme, elle voudrait avoir des beaux draps, du beau linge, un beau lit, une belle table. Rentre chez toi, tu trouveras. Et il est rentré chez lui. Quand il est rentré chez lui, il y avait une belle table. Sur la belle table, il y avait une belle nappe. Il y avait un beau lit avec des beaux draps. Et sur la nappe, qu'est-ce qu'il y avait? Un beau repas. Miam, 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 ils se sont régalés. Régaler, régaler. Oh, puis alors la grand-mère, elle était très très contente. Mais au bout d'un certain temps, elle lui a dit, c'est pas le tout. Mais il nous faudrait une belle maison, avec plein de beaux meubles. Oh non, je ne peux pas aller voir. Non, non, je peux pas. Allez, tu vas à la rivière. Il est allé à la rivière. Petit poisson, où es-tu? Au fond de mon trou. Que me veux-tu? Est-ce qu'on pourrait avoir une belle maison, des beaux meubles et puis, ben voilà, pour être bien avec
tout ce que tu nous as déjà donné. Rentre chez toi, tu trouveras. Il est rentré chez lui. Il n'a pas reconnu qu'il y avait une belle maison avec une belle porte. Il ne trouvait même pas de mots pour dire combien il était content. Alors ils ont été très très heureux, mais sa femme lui a dit au bout d'un certain temps, il nous faudrait quand même une voiture avec un cheval, mais une belle voiture avec un beau cheval. Oh, t'exagères. Allez, va à la rivière. Petit poisson, où es-tu? Au fond de mon trou. Que me veux-tu? Ma femme aimerait bien qu'on ait en plus une belle voiture à cheval, le cheval. Et puis, moi, je ne sais pas conduire. Peut-être un cocher. C'est le monsieur qui conduit ces voitures-là. C'était il y a longtemps. Hein. Rentre chez toi. Tu trouveras. Et alors, il est rentré. Et devant la maison, il y avait un joli carrosse avec des beaux chevaux et un cocher qui était là. Ah, sa femme s'était bien habillée. Et puis, elle lui dit, allez, dépêche-toi, monte, monte. Alors, il est monté. Puis, elle a dit, fouette, cocher. Ils se sont promenés dans tout le village. Les villageois les regardaient passer comme ça. Mais comment c'est possible? C'est pas possible, comment ont-ils fait? Et puis la voiture passait, passait. Puis d'un seul coup, sur le chemin, il y avait une petite grand-mère, mais avec très mal habillée, très très sale, et qui était sur son bâton, qui dit, arrêtez-vous! Prenez-moi, je vous en prie, prenez-moi. Alors, le cocher a fait arrêter le carrosse. Et la grand-mère a dit, qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais monter avec vous. Le grand-père a dit, mais oui. La grand-mère a dit, non, elle est trop sale, elle ne montera pas. Ben oui, mais enfin, non, non, elle ne montera pas, on s'en va. Fouette cocher. Le cheval est reparti. Rentre chez toi, tu trouveras. Et oui, la fée avait le pouvoir de se transformer. Et à ce moment-là, à peine si elle a dit les mots, pouf, tout est tombé par terre. Il n'y avait plus de carrosse, il n'y avait que de la poussière. Il n'y avait plus de chevaux. Et le grand-père et la grand-mère sont tombés sur le derrière avec leurs vieux habits, tout abîmés. Ils n'avaient pas su écouter et ils ont tout perdu. Mon conte est terminé. Alors vous savez, on a deux mains et les mains ça sert à quoi? À manger, à montrer et aussi à... applaudir. Alors, je vais vous apprendre un banc que j'apprends aux petits-enfants. Donc, on sort ses mains. Tout le monde sort ses mains, les grands-pères, les grands-mères, tout le monde. Les enfants. Je montre mes mains. Je cache mes mains. Je mets mes mains en l'air. Je montre mes mains. Je cache mes mains. Et je fais... bravo! Alors, il était une fois, toujours dans mes histoires, j'ai beaucoup de grands-pères, j'ai beaucoup de grands-mères. Il était une fois une grand-mère. Et il était une fois un grand-père. Grand-père et grand-mère vivaient tous les deux. Ils s'aimaient et ils partageaient beaucoup de choses. Grand-mère, grand-mère, il faut que je te dise, j'ai rêvé de galettes. T'as rêvé de galettes? Mais nous n'avons plus de farine. Il n'y a plus de farine? Ben non. Comme on n'a plus d'enfants, il n'y a plus de farine et je ne fais plus de gâteaux. Oh, cherche dans le grenier, tu dois trouver. Eh bien, c'est ça. Va te reposer, lis ton journal, je vais chercher. Et grand-mère est montée dans le grenier. Elle a cherché. Oh, mais il y a des grains de blé. Alors elle a balayé, elle a ramassé, elle a mis dans la poche de son tablier et elle est
rentrée à la maison, elle a bien nettoyé le blé, elle l'a moulu, elle a fait une belle farine. Quand elle a eu sa belle farine, elle a cassé des œufs, elle a mis du beurre, elle a mis des œufs, elle a pétri et elle a fait une belle galette qu'elle a mise dans le four. Et elle a laissé cuire. Et ça cuisait doucement. Et quand il y a eu dans la maison une bonne odeur, ça sentait bon. Elle a ouvert le four et elle a sorti la galette. Grand-père, viens voir. J'ai la galette. Oh, mais c'est brûlant. Oh, là, là, là. Ah oui, je sais que tu n'aimes pas quand c'est chaud. Mais c'est pas grave. Je vais la poser sur la fenêtre. Va te reposer. Et grand-mère a posé la galette sur la fenêtre. Et elle est allée rejoindre grand-père. Mais la galette, c'est une coquine. Elle a dit, je suis la galette, faite avec du blé, ramassé dans le grenier. On m'a mis à refroidir, mais j'ai préféré courir. Et la galette a couru. Et elle courait, et elle a rencontré un lapin. Galette, que tu sens bon! Je vais te grignoter! Je vais te chanter ma chanson. Je suis la galette, faite avec du blé, ramassé dans le grenier. On m'a mise à refroidir, mais j'ai préféré courir. Attrape-la si tu peux. La galette est partie. J'ai pas pu la grignoter. Tant pis. Et la galette a continué de courir. Elle courait. Et elle a rencontré un ours. Galette, je vais te manger. Non. Tu sens très bon. Oui, mais attends, je vais te chanter ma chanson. Je suis la galette, faite avec du blé, ramassé dans le grenier. On m'a mise à refroidir, mais j'ai préféré courir. Attrape-moi si tu peux. Oh! Galette, pourquoi es-tu partie? J'aurais bien voulu te manger. Tant pis. Et la galette a continué de courir. Elle courait. Et elle a rencontré qui, la galette? Galette, on tire la langue. Hein, galette, je vais te dévorer. Monsieur le loup, vous ne feriez pas ça. Tu sens très bon. Non, monsieur le loup, vous ne feriez pas ça. Écoutez ma chanson. Et elle lui a chanté sa chanson. Attrape-moi si tu peux. Mais le loup n'a pas couru assez vite. J'aurais bien voulu te dévorer. Tant pis. Et la galette a continué de courir. Mais il y avait quelqu'un qui avait tout suivi. C'est le renard. Et le renard était là, il attendait. Bonjour renard. Le renard ne bouge pas. Bonjour renard. Le renard ne bouge pas. Bonjour renard. Trop tard, qu'est-ce que ça veut dire trop tard? Je ne comprends pas. Non, je dis bonjour renard, je n'entends pas du tout, je suis très très vieux. Mais je suis la galette, des paupiètes, mais je ne sais pas, gants de toilette. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je n'entends rien, j'entends être, c'est tout. Mais je suis la galette. Et le renard l'a mangé. Non. Et mon conte est terminé.
Est-ce que vous connaissez la famille éléphant? Eh bien, il y a papa éléphant, car une bonne tête d'éléphant, des bonnes oreilles, des bonnes pattes et une grande trompe. Et papa éléphant, quand il marche, ça fait poum pa poum pa poum pa l'air, poum pa poum pa poum pa l'or. Et puis il y a maman éléphant, qui a une jolie tête d'éléphant, avec des belles oreilles, des belles pattes, une belle trompe. Et quand elle marche, maman éléphant, ça fait poum pa poum pa poum pa l'air, poum pa poum pa poum pa la. Et alors il y a petit éléphant, qui a un tout petit corps d'éléphant, les petites oreilles d'éléphant, c'est pas sa petite trompe. Et quand il marche, il fait pipa 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 l'air, pipa 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 la. Et papa éléphant a dit, la famille, il fait beau, il y a du soleil, on va se baigner à la rivière. Alors il y a papa éléphant, maman éléphant était derrière avec sa trompe, elle a attrapé la queue. Et derrière maman éléphant, il y avait petit éléphant avec sa trompe, il a attrapé la queue de maman éléphant. Et tous les trois, ils marchaient. Poum pa poum pa poum pa l'air, poum pa poum pa poum pa la, poum pa poum pa poum pa l'air, poum pa poum pa poum pa la. Et papa éléphant est entré dans l'eau le premier. Et ça a fait splotch, 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 splotch. Et maman éléphant est entré dans l'eau la deuxième. Splotch, splotch. Splash. Très bien. Le petit éléphant, il est rentré dans l'eau. Splitch, 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 splitch. Et alors, papa éléphant, il a pris sa trompe, puis il a plongé dans l'eau. Il a pris plein d'eau. Et il s'est douché. Et maman éléphant, elle a plongé sa trompe dans l'eau. Et elle s'est douchée aussi. Et petit éléphant, il a plongé sa trompe dans l'eau. Et il a arrosé son papa, sa maman. Et ils se sont amusés. Et d'un seul coup, maman éléphant a dit, ah, sur le rocher, un tigre, on se sauve. Papa est parti, maman éléphant. Poum pa, poum pa, poum pa l'air, poum pa, poum pa, poum pa la, poum pa, poum pa, poum pa l'air, poum pa, poum pa, poum pa la. Et maman éléphant se retourne. Les petits éléphants n'avaient pas suivi. Alors, vite, ils sont repartis. Poum pa, poum pa, poum pa l'air, poum pa, poum pa, poum pa la, poum pa, poum pa, poum pa l'air, poum pa, poum pa, poum pa. Et ils sont arrivés, petits éléphants, qui étaient toujours dans l'eau. Mais alors, il fallait nous suivre. Vous m'avez dit qu'il y avait le tigre. Ouais, mais le tigre était parti. Ils sont restés auprès de la rivière. Et très souvent, papa éléphant, maman éléphant, vont à la rivière. Poum pa poum pa poum pa l'air, poum pa poum pa poum pa la, poum pa poum pa poum pa l'air, poum pa poum pa poum pa la. Alors dans mon sac, j'ai toujours beaucoup de choses. J'ai tellement de choses que je ne retrouve pas tout à fait. J'ai emporté mon petit sac. Et dans mon sac rouge, qu'est-ce que j'ai? Et puis, dans mon sac rouge, qu'est-ce que j'ai? Mon chapeau rouge. Et quand j'ai mon chapeau rouge, eh ben, on se lève. Et on chante. J'ai un gros nez rouge, deux traits sur les yeux, un chapeau qui bouge, un air malicieux. Deux grandes savates, un grand pantalon. Et quand ça me gratte, je saute au plafond. J'ai un gros nez rouge, deux traits sur les yeux. Un chapeau qui bouge, un air malicieux. Deux grandes savates, un grand pantalon. Et quand ça me gratte, je saute au plafond. La 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 la. La 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 la
la la. Et alors tous ensemble, on va chanter au pays des couleurs. Alors c'est toujours, on a toujours nos mains sorties, on a pris les pouces, on a pris tous les pouces. Et là, on sort ces petits doigts-là. On les appelle les index. Et on chante sur l'air du Pont d'Avignon. Au pays des couleurs, on y danse. Au pays des couleurs, on y danse à toute heure. Quand je dis bleu, on ouvre ses yeux. Au pays des couleurs, on y danse, au pays des couleurs, on y danse à toute heure. Quand je dis vert, on touche par terre. Quand je dis bleu, on ouvre ses yeux. Au pays des couleurs, on y danse, au pays des couleurs, on y danse à toute heure. Quand je dis rose, on prend la pause. Quand je dis vert, on touche par terre. Quand je dis bleu, on ouvre ses yeux. Au pays des couleurs, on danse, au pays des couleurs, on danse à toute heure. Quand je dis orange, on bouge ses jambes. Quand je dis rouge, personne ne bouge. Quand je dis rose, on prend la pause. Quand je dis vert, on touche par terre. Quand je dis bleu, on ouvre ses yeux. Quand je dis gris, tout le monde sourit. Au pays des couleurs, on y danse. Au pays des couleurs, on y danse à toute heure. Mes petits poussins. Mes petits poussons vont rentrer avec moi à la maison. On va prendre notre vélo. Alors, les poussons, sont des petits. D'accord. Des bisous. C'est de loin, mais des bisous. Merci et au revoir à tous. Thank you.